Eh oui, c'est encore moi. Je candidate pour la deuxième fois au concours Mofji et j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour liker cette vidéo et m'aider à gagner ce concours Mofji pour pouvoir pitcher devant un grand public mon idée gourou. Alors je vous laisse profiter et regarder cette vidéo. Merci à vous. Eh bien, bonjour, donc moi c'est Guillaume et en effet je suis le créateur de Gulu. Alors Gulu, c'est en fait c'est une application, c'est un réseau social innovant qui permet aux voyageurs et aux gens qui se déplacent de rester en contact. C'est une carte du monde où on voit dans quelle ville sont les amis qu'on a déjà rencontrés. Et donc comment on fait pour ajouter un ami sur cette carte? On doit le rencontrer dans la vraie vie, prendre un selfie avec lui, de prendre cette photo, de capturer ce moment. Et une fois qu'on a cette photo, on peut l'ajouter sur la carte. Et quel est l'intérêt? C'est de dire ok, on s'est vus tous les deux, mais on se souvient plus trop. Moi je m'appelle Guillaume, dans ta liste de contacts des Guillaume, il y en a 25. Pour pallier à ça, on a un selfie, un moment qu'on a partagé tous les deux. Donc l'idée de Gulu, c'est de dire on a un réseau social sans fil d'actualité, avec simplement l'essentiel, qui te permet uniquement de revoir tes amis dans la vraie vie. Alors la création de Gulu, c'est vraiment un projet qui est intimement lié avec mes expériences pro et beaucoup de perso. C'est toute une aventure entrepreneuriale qui a commencé en Irlande, qui a été sculptée au Vietnam, qui a été réalisée en Inde et qui continue à vivre en Europe. Donc Gulu, c'est une carte du monde où on voit dans quelle ville sont des amis qu'on a déjà rencontrés en voyage. Mais il y a une fonctionnalité qui est super intéressante, c'est la notification. Imagine-toi, tu es chez toi, tu es dans ta ville, et là tu as une notification que tu as Miguel, un ami que tu as rencontré il y a 10 ans au Pérou, qui est en ce moment dans ta ville. Et donc là, tu peux lui envoyer un message directement sur l'application et puis le revoir. L'idée, c'est vraiment de créer l'opportunité pour rencontrer des gens que tu as déjà vus. Donc ça peut être soit une notification ou soit tu ouvres ta carte et là tu peux voir directement qui est où. Sinon tu peux donc chatter directement sur l'application. Tu peux aussi demander si un ami peut t'héberger. Donc il y a plein de possibilités, mais toujours ancré dans le réel. En fait, par rapport à toutes mes expériences, moi j'étais persuadé que Gulu c'était vraiment quelque chose qui était dédié uniquement aux voyageurs. Parce que j'étais un voyageur, j'étais un backpacker et je voyais cette utilité-là. Et en fait, je me suis rendu compte que des gens qui se déplaçaient, qui changeaient de ville ou qui changeaient de pays, il y en avait plein. Par exemple, un étudiant qui arrive dans une nouvelle ville, quelqu'un qui déménage. Il y a plein de gens qui sont amenés à voyager, à rencontrer du monde et à vouloir rester en contact avec des gens du monde entier. Donc c'est pas uniquement des voyageurs, ça peut toucher beaucoup de gens. Tout le monde pense que pour développer une application, il faut être développeur. Et pas forcément, la preuve, c'est que moi je connais rien du tout, je suis incapable de lire un code. Si par exemple tu as juste l'idée, tu peux développer une application. Moi comment j'ai fait? J'ai réussi à m'entourer des bonnes personnes. Par exemple, je suis parti en Inde pendant un an pour faire mes études. Et là-bas j'ai rencontré deux potes qui sont développeurs. Et maintenant c'est eux qui développent mon application. Donc moi je fais toute la partie business développement, création de l'idée, prototypage. Et après, une fois que j'ai tout ça clair dans ma tête, j'arrive à le mettre sur papier et à l'expliquer à des développeurs qui, eux, ont des compétences que je n'ai pas forcément. L'objectif, c'est de se donner un an pour développer Gulu, d'avoir 50 000 utilisateurs et une fois qu'on a régi cette communauté, de pouvoir créer des services additionnels. Donc il y a plein de choses qui pourraient se faire, créer de nouveaux services, mettre en relation les acteurs du tourisme durable, faire de l'événementiel. L'appli, elle sera forcément gratuite parce que les voyageurs, ils ont besoin d'une application gratuite. L'idée de Gulu, la vision de Gulu, c'est de rassembler des gens et de promouvoir le tourisme durable et d'avoir vraiment un impact concret sur le développement et le tourisme actuel. La meilleure façon de faire, c'est de voyager. Donc c'est quand même une bonne excuse pour voyager de vouloir parler de l'application. Souvent, je fais des challenges sur mon Instagram, sur Gulu App, vous pouvez les retrouver. Donc là, je vais essayer d'aller à la rencontre d'entrepreneurs ou de voyageurs ou d'entreprises inspirantes. Récemment, je suis allé rencontrer Antoine de Maximi de J'irai dormir chez vous. Je suis allé à la rencontre de Polar Step, une application de voyage aux Pays-Bas. Je me proclame comme étant mon propre ambassadeur de Gulu et de voyager en stop pour essayer de toucher un maximum de gens. Alors l'application est sortie, elle est maintenant disponible sur toutes les plateformes, donc sur iOS et sur Android. Vous pouvez la télécharger, c'est gratuit. Ce qui ferait trop plaisir, c'est que vous l'essayiez et puis que vous me fassiez des feedbacks, donc soit sur Instagram, soit par message, soit par mail. J'ai qu'une seule chose à dire, see you soon on Gulu.